Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit vlog de fin d'année, le dernier de cette année, pour vous expliquer un petit peu deux, trois choses. La première, j'avais dit que je ne ferais plus de... Enfin, je ferais des vlogs une fois par mois, sauf que je vais juste faire des vlogs quand il y en aura réellement besoin. Enfin, d'éviter de polluer ma chaîne dans l'ensemble avec des vlogs, avec des trucs qui ne sont pas, qui n'abordent pas même de la survie. Et notamment aussi un petit peu cette absence depuis ces dernières semaines, on va dire. Donc, j'étais parti un petit peu en week-end. Ensuite, j'ai eu une excitation de voix. Et puis après, j'étais légèrement malade. Donc j'ai préféré pas faire de vidéo histoire de pas... voilà. Avec l'excitation de voix, je pouvais de toute façon pas causer. Et donc, ce qui m'amène en fait à juste... Aussi, j'ai pu voir une évolution de la chaîne. Plus ou moins mon angle de vue qui ont été assez phénoménal avec la vidéo sur l'avènement du chaos pour 2020. Donc c'est pas mal. Après, c'est un petit foucatrique. Certes. Mais il y a mon avis dedans. Hein. Donc, c'est certes foucatrique, mais d'une certaine manière, on peut savoir. Il y a du contenu, voilà, même si effectivement ça explique. Mais il faut savoir que j'en ferai peut-être plus, dans le sens où quand je fais des vidéos comme ça, elles font ensuite 200 vues. Je veux dire, voilà, le message a bien vu de se faire voir, de se faire entendre. C'est pour faire prendre vue, c'est pas intéressant non plus. Après, je veux dire, si je ferais, voilà, si la chaîne, il faut faire des vues, donc voilà. Comme je le disais dans la vidéo en remerciement, voilà, il y a plus de 10 000. Donc, c'est vraiment génial, c'est incroyable. Enfin, c'est génial, quoi. Mais voilà, après, si on fait une globalité, ça fait une certaine de vues par vidéo, ce n'est pas non plus exceptionnel. Mais, vous avez des vidéos sur la chaîne qui sont extrêmement vues. Donc c'est une bonne chose. Et ensuite, guide de survivaliste, le guide de survivaliste, je vais arrêter pour le moment, puisqu'il y a d'autres choses qui vont venir interférer dans le sens où il y a quelque chose, je vous parle pas encore parce que je vous en parle pas encore parce que ça va faire partie d'un gros truc. Et c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Donc pour l'instant, les guides de survivalisme, et notamment celui-là de ce mois-ci, je l'arrête parce que il y a eu des problèmes sur le truc. Et j'arrête pour l'instant. L'année prochaine, ça reprendra sûrement dans un cadre peut-être différent, la même formule, mais différent. Mais il y a un gros truc à préparer, donc. Je préfère me préparer sur ce truc-là pour le faire à fond et puis de pouvoir réussir à le faire. C'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose d'anodin. Il y a quelque chose de réel derrière. Donc voilà. Ensuite, ça, voilà. Hein, pour expliquer un peu trois choses. Super live, hein. Super live du début du mois. Qui est vraiment une bonne expérience, vraiment une bonne chose. Et moi, ça m'a fait plaisir, j'étais assez stressé dans le sens où je m'attendais à deux, trois personnes sur le truc, et puis au final, une bonne dizaine. Alors, c'est bien parce que une bonne dizaine, ça permet de voir les questions assez, assez facilement, et puis on n'est pas submergé de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Et puis voilà, donc, mais c'est bien, franchement. On refera l'expérience, hein, pour les 2 ans de la chaîne, quelque chose comme ça. Donc voilà, espoir que ça soit quand même
voilà, on va refaire, mais je peux pas vous promettre de faire un live par mois. On verra peut-être des lives pour du matos, mais on verra. Comme dit, hein, j'ai plus de connexion internet à la maison, donc je fais tout avec le téléphone portable. C'est déjà quand on payait un forfait avec des données mobiles, autant les traquer par mois, parce qu'on a souvent du mal à les finir par mois. Donc, mais faire des lives toutes les semaines, c'est pas possible. Puis au bout d'un moment, ça tombe en rond. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui nous attend pour l'année prochaine? L'année prochaine, on aura beaucoup de thèmes sur la défense, sur technique de combat, urbain, se placer en groupe, tout ça. On aura ce genre de vidéos aussi. Des simulations de survie, des simulations de combat. On aura aussi un paquet de vidéos sur le potager aussi. On va faire des vidéos sur le potager un peu. On va faire des vidéos sur les plantes comestibles et plantes médicinales. Alors ça, c'est des gros trucs, parce que c'est des trucs qui sont dangereux, dans le sens où il y a parfois des plantes médicinales qui sont il y a deux sortes qui se ressemblent énormément, mais l'une est mortelle, enfin dangereuse voire mortelle, et l'autre est guérie. Donc bien sûr, les vidéos seront averties pour un public qui soit averti, pour éviter les conneries. Et puis nous aussi, derrière le travail, on essaiera de faire les choses bien. Donc voilà, ça c'est très important. On aura bien d'autres sujets de vidéo encore, on en a plein qui sont abordés. Donc il y a encore des vidéos, il y a encore des sujets, il y a encore beaucoup de vidéos. Et voilà. Et moi je souhaite qu'une chose, c'est que ça marche. Voilà. J'ai rien de plaisir à faire. Je travaille pour cette chaîne et on fera les choses correctement. Donc voilà. Moi je vous dis à l'année prochaine. Je vous souhaite tout le bon, tout le meilleur. Mais de toute façon, on se revoit le 1er janvier pour une vidéo. Et voilà. Bon, moi je vous dis, faites-les bien. Soyez vigilants quand même, faisant la fête. Mais profitez, amusez-vous quand il en a hors temps. Et puis dans la vie, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que les solutions. Ciao.